hôtel qui était un hôtel de... Enfin, je ne sais pas si c'est une affiche ou un... Bonsoir à tous, bienvenue à la boutique. Pour la plupart, vous connaissez un peu le rituel de nos rencontres qu'on essaie de faire, qu'on essaie de tenir de manière hebdomadaire depuis pas mal d'années, 5 ans déjà. Et on profite de la sortie de DVD ou de livres pour faire venir l'auteur, le réalisateur. On a parfois des comédiens, des critiques. Et le principe de la rencontre, c'est de manière comme ça, assez informelle, de parler de cinéma, de parler de littérature, de parler de la vie en général, mais essayer de faire le lien quand même avec notre lieu, qui essaie de défendre quelque chose, une certaine idée du cinéma quand même. Et ce soir, on est très heureux d'avoir avec nous Colline Serrault, qui sort un très bel ouvrage autobiographique chez Actes Sud, que je remercie aussi parce que j'ai failli y passer à côté et ça a été une plongée totalement réjouissante et ça m'a énormément parlé. Mais avant de parler du livre tout de suite, je pose toujours une question un peu rituelle sur les premières images. Bon, on parle cinéma, après on n'en parlera plus, puis on en reparlera. Sur les premières images de cinéma vous, Colline, vous ont marqué un premier souvenir peut-être de la salle de cinéma, peut-être une image de film, quelque chose d'un peu ancien, peut-être d'un peu archaïque. C'était à l'école de Beauvallon où j'ai été un peu élevée au départ. Et quand il pleuvait, on allait dans la salle de jeu, on s'asseyait par terre et on nous projetait des 8 mm de Chaplin pendant des heures et on les regardait en boucle. Donc je connais vraiment bien tous les courts-métrages de Chaplin du début et je pense que j'ai jamais aimé aucun film mieux que ça, plus que ça, quoi. D'accord. Et après cet amour du cinéma, il y avait quelques planètes comme ça, quelques réalisateurs, quelques pôles, ça ressemblerait peut-être à quoi des noms importants ou des univers comme ça où vous vous êtes dit bah oui, il faut vraiment que je fasse où le cinéma s'impose quoi, ou est vraiment comme si on découvrait une planète quoi quelque part. J'ai pas tellement été j'étais un rat de cinémathèque, j'étais tout le temps fourré au cinéma, mais je ne peux pas dire que j'ai eu un... C'est pas le cinéma qui m'a influencé à part Chaplin. C'est pas des réalisateurs, des comédiens ou des... Non. Non. Non, non. Non, non, pas du tout. Non. D'accord. Non, parce qu'en général, on fait... Alors c'est ça parce que je demande aux invités de choisir nous faire une petite sélection et tout ça. Là, j'aurais été un peu... Je me serais retrouvé un peu comme devant le flanc. Parce que... Non, c'est la musique, c'est... la philosophie, oui, l'opéra... Oui, c'est tout le reste. C'est tout le reste. La peinture surtout, la peinture. D'accord. Le livre... Alors, c'est le livre qui est chapitré par des hashtags, des très nouvelles technologies, alors. Oui, je suis un peu une geek, sauf que je n'aime pas les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Mais à part ça, j'aime bien l'informatique et je suis très... Oui. J'ai été une des premières à utiliser le numérique dans mon métier. J'étais le premier film qui est sorti en numérique en salle. Tourné en numérique, c'était K.O. Ouais. En France. Et même, je crois... Et donc j'ai tout de suite compris que ça serait la technologie du futur et l'écriture du futur. D'accord. Et donc je suis très 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 technicienne, mais pas sur les réseaux sociaux parce que je suis assez pudique comme personne. Oui. Yeah. Enfin, sauf là dans le bouquin, mais pas tellement en fait. Je reste assez pudique. Toute la force de je trouve cet ouvrage, c'est-à-dire que c'est et une plongée, quelque chose de très intime, en même temps énormément de pudeur, mais il y a quelque chose qui est dévoilé, mais on se sent jamais mal à l'aise en tant que lecteur, c'est-à-dire qu'on se sent jamais voyeur, on se dit pas oh, tiens on ne devrait pas être à cette place où elle nous livre quelque chose qu'elle t'a jamais dit avant, mais on se pose pas ces questions-là en fait. Non, parce que j'ai essayé de tout le temps relier les histoires qui sont arrivées à des faits de société aussi, et à des histoires auxquelles les autres puissent se relier. C'est-à-dire que mes histoires n'ont rien d'extraordinaire. Elles sont particulières, évidemment, mais elles,
elles n'ont d'intérêt que si elles peuvent se relier aux autres, et c'est-à-dire aussi représenter l'idéologie et la manière de vivre d'une certaine société à un certain moment, quoi. Mais c'est assez. Alors, il y a trois mouvements, quoi, dans le livre. Ceux qui m'ont précédé, je sais pas, le deuxième en tête, c'est texte à l'envers, et le troisième, c'est des pensées. Des pensées. Voilà, c'est ça. Oui. Quelques pensées. Les femmes peuvent penser. Voilà. Oui. Alors, on va y venir. Peuvent philosopher. Mais elles peuvent tout faire. Évidemment, mais ceux qui m'ont précédé, mais moi j'avais l'impression, j'ai ouvert la première page, j'ai l'impression que j'étais sur le pont du Titanic. Il y avait un côté comme ça, je me suis dit, mais c'est incroyable de raconter l'histoire de ses aïeux comme ça, et j'étais dans un roman, en fait. J'étais dans un roman. C'était un parti pris. Déjà, vous aviez cette idée-là en tête de raconter cette histoire familiale. C'est là aussi, vraiment, je remercie les éditions Actes Sud, parce que je ne pars pas dans une écriture en me disant « je vais faire ça ». Je suis des chemins souterrains qui m'emmènent quelque part, et après je construis, mais je ne me suis pas dit, en racontant par exemple la première histoire, qui est la rencontre entre le Bernoulli et l'anglaise, je ne me suis pas dit, tiens, je vais le raconter comme ça. C'est sorti comme ça, dans cette écriture-là, qui est presque un début de roman, et qui peut aussi être un court-métrage ou un film. Oui, tout à fait. Mais c'est une écriture aussi. Ouais, ouais. Et je ne me suis pas dit, je vais faire ça. C'est vraiment, l'écriture, c'est quand même un chemin très inconscient. Après, les autres ne sont pas écrits de la même manière, parce que chaque histoire commande son écriture. Oui, et en même temps, c'est du roman, et en même temps, il y a le genre épistolaire aussi. Donc, y a une façon de faire revivre comme ça un passé qui s'est vraiment passé, ou qui est aussi fantasmé. En tout cas, ce qui est des lettres, c'est pas fantasmé. D'accord. Le première histoire, elle est très ancienne, donc on n'a pas tellement de témoignages, puisque ça a été une histoire clandestine, plus ou moins. Mais bon, on sait que ça s'est passé plus ou moins comme ça, quand même. Et puis après, moi, j'ai brodé sur cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est justement cette espèce de... intéressant. Enfin, moi, c'est comme ça que je voyais les choses. C'est liberté, quoi. Liberté absolue de trouver la manière d'écrire ou la manière de filmer qui va être l'écriture de ce qu'on a envie de raconter, sans avoir de préconception. Par exemple, je ne me dis pas, tiens, je vais faire une comédie. Non, je ne me suis jamais dit ça. En fait, c'est toujours des prémices assez dramatiques, mes films. Mais après, à partir du drame, on va vers l'humour, parce que c'est de la survie, l'humour. Oui, 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 non, mais évidemment. Mais après, c'est un parti pris. Il y a aussi des drames qui sont des tragédies qui peuvent être sublimes. Mais bon, disons que c'est pas votre pente, quoi. Ah non. Ça tout me fait plutôt rire. Oui. Et en même temps, on traverse des grands morceaux d'histoire, l'histoire du siècle, qui est quand même pas des plus joyeuses du début du siècle. Et puis, on rencontre des personnes, des personnages très forts. Il y a des rencontres très fortes, des hommes forts, des femmes fortes, des portraits qui se trouvent être des gens qui ont... Mais c'était aussi parce qu'ils étaient dans une époque... qui était celle de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où on était forcé de faire des choix. Maintenant, c'est beaucoup plus flou, les prises de position qu'on peut prendre à cette époque-là, où vous étiez un collabo, vous étiez un résistant quand même. Il n'y avait pas énormément de place pour autre chose. Il y a eu des hésitations, il y a eu des... Enfin bon, où vous aviez le courage de vous dresser réellement contre cette occupation nazie, ou bien... Bah, vous étiez de l'autre côté, quoi. Et donc, ça, c'est vrai que les gens, que par hasard, dans lesquels la famille de qui je suis tombée, enfin, dans cette famille, bah, ils étaient plutôt des résistants. Donc, ça devient des grandes figures parce qu'ils étaient dans une époque où c'était facile et difficile, mais si on faisait un certain choix, bah, on devenait un héros, quoi.
et avec énormément de courage et des dangers. Mais parlez-nous peut-être de cette figure-là, parce que qui occupe un chapitre important, de Marguerite Soubeyran quand même, qui est pas... Oui. Voilà, on sent que ça a été... C'était fondateur. Quelque chose de fondateur. Mais pas que pour moi, hein, pour beaucoup de gens. En quelques mots... Marguerite Soubeyran, elle a fondé une école dans les années 30, qui s'appelait l'école de Beauvallon, à Dieulfi, dans la Drôme. Et c'était une école qui fonctionnait selon des méthodes très nouvelles d'éducation, parce qu'il y a eu tout un courant très fort, en Suisse surtout. Elle sortait de l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève, et en Suisse, c'était beaucoup plus avancé que nous sur beaucoup d'idées philosophiques, et même sur les mœurs, ils étaient très avancés. Donc, c'était là où il y a eu Claparède, Montessori, Rudolf Steiner, il y a eu énormément vraiment d'avancées dans la gestion de l'éducation. Donc elle est forte de cette formation-là, elle a fondé son école dans la Drôme, et ensuite se sont agrégées à elle deux autres femmes qui ont été ma marraine et ma tante, la sœur de ma mère, et ça a été extrêmement important pour nous, pour tous les gosses qui sont passés là, parce que c'était une école qui était extrêmement en avance sur son temps. Et on était déjà dans une démarche totalement écologique, hein, et sur la santé aussi, avec l'homéopathie, Rudolf Steiner, toutes les idées de Rudolf Steiner, et le jeûne, la santé, le contact permanent avec la nature, on était tout le temps dehors. Il y avait aussi toute une forme de démocratie qui était très intéressante, c'est-à-dire que les gosses, il y avait tous les jours une assemblée dans laquelle... La réunion, il y avait la réunion et l'assemblée. L'assemblée, les enfants... Pendant le temps de l'assemblée, c'est pas non plus un truc démagogique, pendant le temps de l'assemblée, les gosses avaient la même voix que les adultes, donc ils pouvaient parler des dysfonctionnements, parler de leurs problèmes, etc. C'était gosses, ce qu'on appelait caractériel intelligent. C'était très compliqué comme gosse, mais intelligent, quoi. Donc... Et surtout après-guerre, c'était vraiment la cour des miracles, hein, la France. Hein. La France était dans la misère, avec des beaucoup, beaucoup de traumas dû à l'exode, aux bombes, aux décès, aux prisonniers. La France était en état à ramasser à la cuillère. Hein. On ne s'en rend pas du tout compte maintenant. Mais... Donc, Beauvallon a hérité de ces gosses-là. Et il a fallu trouver des solutions pour vivre avec ces traumas et les réparer. Quoi. Donc, alors j'en étais où ? Non, mais c'était. Voilà, vous parliez de l'Assemblée et la réunion. La santé, l'Assemblée. Donc, gosses avaient la même. Pouvaient parler de ce qui se passait dans l'école. Et puis, la réunion, c'était important aussi. La réunion, pendant 10 minutes, tous les matins, toute l'école était ensemble et avait 10 minutes de culture. Donc, c'était un poème ou un tableau dont on parlait pendant 10 minutes, c'est tout. Une musique. Enfin, tout ce qui était de l'art, c'était ma tante qui s'en occupait. Mais quelqu'un était désigné ou c'était d'un commun accord ou c'était plutôt elle quand même. Elle avait beaucoup de goût et elle était très cultivée, donc c'était elle qui faisait ça. Mais ce qui fait que, même si des gosses étaient complètement rétifs à la culture, bon, il y avait un truc qui rentrait dans le crâne 10 minutes par jour, quoi. Et finalement, des années après... c'est ça dont ils sont les gosses. Enfin, moi, nous, quand on les revoit, quand on se revoit avec l'ancien de Beauvallon, c'est comme si on revoyait notre frère, quoi. Il y a un espèce de lien très fort. Et ce dont on se souvient, c'est ça. C'est ce dont eux se souviennent, de quelques milieux qu'ils viennent, ce moment de culture, c'est ce qui a fait la... aussi ce qui les a ouverts, hein, sur quelque chose. En dépit de la culture d'origine ou de la classe sociale, quoi. Mais c'est assez amusant parce que je trouve qu'on retrouve ça même dans vos films ou dans votre œuvre, cette façon d'être toujours, c'est pas à l'avant-garde, mais de comprendre les choses un peu avant quand même, et avant l'époque, c'est-à-dire être comme ça, sentir le pouls comme ça du temps. Et être inaudible, parfois, ce genre, mais qu'est-ce qu'elle dit, ou c'est encore des lubies, voilà. Et en fait, quelques années plus tard, mais oui, ce rapport au temps comme ça, et quand est-ce qu'on est entendu, quand est-ce que les gens sont prêts, en fait, à entendre ça, ou la société, disons. C'est une gestion compliquée, hein, pour un cinéaste, parce qu'il y a des fois, on est complètement dans la vague, hein, comme ça a été le cas avec Trois hommes et un couffin, où c'était juste au moment où...
ce qui était latent dans le désir des hommes de reprendre la main sur un certain sur leur paternité finalement, c'était au bord d'être conscient quoi. C'était juste avant la conscience et paf, ça l'a révélé. Puis après, il y a eu d'autres films aussi qui étaient vraiment pile dedans. Et puis il y a par exemple La Belle Verte, c'était 20 ans en avance quoi, carrément. Mais celle-là, ça a été un four pour le coup. Mais non seulement un four, mais des insultes. Oui, des insultes cinglantes. Bon, on fait avec, hein, mais. Non, mais vous avez. Maintenant, là encore, là, ce matin, je marchais à pied. Un mec qui me saute dessus dans les jardins du. Le mec, il a 30 ans, quoi. Il me dit : vous avez changé ma vie avec La Belle Verte, mais moi, ça me bouleverse, quoi, parce que c'est des gens qui. C'est des jeunes, et puis lui, il apprend à ses gosses, et puis, voilà. Et ça fait combien de temps que j'ai fait La Belle Verte ? Ça fait 22 ans, 23 ans. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est bien, et ça. Et voilà. Mais vous le dites, il y a un chapitre qui est consacré à ce film-là, et la catastrophe que ça a été à la sortie, et en même temps, la façon dont le film a vécu et vit encore, et se transmet, comment il déjoue tous les pronostics, quelque part, comment il est vivant. Oui, parce qu'il accompagne une société. La société, elle est tout le temps en mouvement, elle est tout le temps comme une espèce de nuage qui de fumée qui bouge dans tous les sens. On voit pas très bien quand on est dedans dans quel sens ça va. Et c'est comme la théorie du chaos, quoi. Mais après, en fait, ça va dans un sens. En fait, ça va dans un sens. C'est des outils d'analyse qu'il faut avoir pour le voir, ça. Et ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de. C'est pas de l'intuition, hein, seulement. C'est oui, mais c'est la fameuse intuition féminine. Non, mais non. Mais c'est de la pensée. C'est. Non, mais c'est. Ben, j'ai anticipé un peu la prochaine question, mais c'est curieux parce que je relisais par exemple ce fameux dialogue dans la crise du rétro et tout ça. Mais j'ai pas revu le film depuis qu'il est sorti quand même, et j'ai relu cette scène et. La scène m'est revenue, le film m'est revenu, et c'est comme si c'est quelque chose qui m'habite. Cette scène est plus grande que juste une anecdote ou juste une scène comique. Elle dit tellement sur le rapport humain, sur les dominations, la violence, la bêtise. Et donc ça s'écrit pas juste sur un coin de table comme ça, parce qu'on se dit tiens. Parlez-nous de ça, de cette chose qui est légère, qui a l'air d'être légère, mais qui ne l'est absolument pas et qui perdure comme ça, qui infuse. C'est parce qu'elle n'est pas lourde qu'elle perdure. Elle n'est pas didactique, elle vient des profondeurs. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail d'analyse, de lecture, dans tous les domaines, parce que moi je m'intéresse à la physique, je m'intéresse à l'économie, à la politique, beaucoup. J'ai été vraiment labouré aussi par toutes les écritures marxistes, par Freud, par les féministes, par l'écologie. Donc c'est des. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Il y a des choses avec lesquelles. Mais il faut quand même avoir des outils quoi pour penser. Il en faut des outils parce qu'autrement on pense avec une brouette. C'est ce qui. Alors c'est ce que veut cette société. Hein. Oui, oui. Ils sont très très forts pour nous dire que. Tous les outils avec lesquels on pourrait penser sont dépassés, sont nuls, sont. Mais non, moi je dis non, cultivez-vous dans tous les sens, lisez tout. Et après, ça fait une espèce de. C'est ça le travail d'un artiste, c'est qu'on n'est pas des universitaires. On peut avoir une démarche de recherche à peu près semblable à celle des universitaires, on n'est pas non plus des journalistes. C'est-à-dire qu'à un moment, ça fait une espèce de matière qui vous irrigue et à partir de laquelle tout d'un coup les choses sortent apparemment comme un espèce de jaillissement comme une source, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça, parce qu'aussi il y a aussi le silence et le temps de gestation qui est un temps comme de gestation d'un enfant où on ne peut rien écrire. Il y a vraiment un temps très dur où on n'écrit pas, on est devant la feuille blanche et quand on écrit, on est obligé de s'imposer une discipline d'horaire, parce qu'autrement, c'est la parabole du pêcheur. Hein. Quand vous êtes pêcheur, vous ne savez jamais comment vous allez pêcher un poisson, ou combien de poissons, ou quel sera son poids, ou vous pouvez rester des heures devant cette rivière et rien pêcher.
Et donc on ne sait rien sur comment va sortir cette création. Par contre, il y a une chose qu'on sait, c'est que si vous n'allez pas pêcher, vous ne pêcherez rien, quoi. Ça, c'est sûr. Donc il faut quand même être là, prêt à pêcher, quoi. Et il y a quelque chose qui mûrit aussi dans le silence et dans l'impossibilité d'écrire. Et tout d'un coup, quand ça sort. C'est des processus qui sont très proches de la nature, qui sont très organiques, en fait. Et la nature est très, très puissante en termes de disque dur. Je veux dire qu'une graine, c'est un programme informatique d'une puissance incroyable. Et puis tout d'un coup, elle germe. Et ça devient... un truc comme ça, ça devient un chêne qui produira des milliards de... Donc la manière dont sort la création, c'est très organique. On peut pas savoir quand, ça sert à rien de tirer sur la salade, comme disent la belle-mère, parce que ça, vous allez l'arracher, mais elle poussera pas plus vite. Voilà, il faut accepter cette relation organique. Mais est-ce que ce temps-là. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile ou plus compliqué qu'il y a quelques années, dans le sens où aujourd'hui on a évidemment plus d'informations, on peut se nourrir comme ça et c'est d'une richesse incroyable les réseaux sociaux, et en même temps il y a une vitesse permanente, une injonction comme ça. Est-ce que c'était pas, tu vois, c'est un peu, ça peut être un peu réac, mais est-ce que c'était pas plus simple il y a quelques années où ça allait peut-être. Les choses allaient peut-être moins vite, les repères, même idéologiques, étaient quand même encore en place. Et tout. C'est une question. Non, mais de toute façon, tout ça, c'est complètement dialectique. C'est-à-dire que y a dans la vitesse de l'information, la vitesse avec laquelle on peut se cultiver et on peut attraper les informations par Internet, qui sont quelquefois parcellaires, mais quand même, il y a quelque chose d'extraordinaire. Moi, je trouve qu'on va beaucoup plus vite. Mais après... La profondeur de l'analyse, le temps du livre, le temps de lire tranquillement un bouquin, d'y revenir, de le souligner, de comprendre et de le relire quand il est important. Parce que nous, on change. Donc on change, donc aussi notre lecture change. Moi, c'est Grodeck qui dit ça dans... Je ne sais pas si vous connaissez Grodeck, le psychanalyste, le livre du sac, qui dit quand vous... Bonjour. Quand on... Et moi, ça... Il lisait un... Il disait un essai de Freud et il disait à un moment, c'est marrant, mais je tombe endormi sur une page et je, c'est pas possible, non, je reprends depuis le début, à cette page, je retombe endormi. Et il retombait tout le temps endormi à cette page. Parce que c'était un truc qui, ça le touchait trop, quoi. Il pouvait pas l'entendre. Et puis 10 ans après, vous le lisez. Et puis tout d'un coup, c'est possible. Donc on est nous-mêmes, on est une matière en constante évolution, mouvement. Bon, alors, il faut laisser ce temps-là. Et puis laisser aussi peut-être ne pas forcer, quoi. Se dire, bon, si j'ai tout d'un coup envie de relire ça, c'est qu'il y a un besoin. Mais je ne sais pas si c'était plus simple avant. C'est ça votre question? Non, mais c'est par rapport à l'époque, la disponibilité de l'information, la vitesse avec laquelle les choses vont. Donc c'est positif, bon grain de livret, quoi. Et ça, c'est formidable. Mais vous avez traversé toutes ces époques. Voilà, c'est vrai. Même temps que ça, il y a une espèce aussi de la société capitaliste financière, je dirais, ou patriarcale. Enfin, c'est la même chose. A vraiment très très bien réussi à couper les racines réelles de là où on peut trouver la connaissance. Ils ont vraiment réussi à ringardiser énormément de littérature qu'il faut avoir lu, à mon avis. Que ça soit dans la littérature... Je pense à tous les grands marxistes, je pense... Il y a une entreprise de démolition aussi des psychanalystes, il y a une entreprise de démolition de tout. Parce qu'au fond... Il y a une telle masse d'ouvrages qu'on s'y perd. Il y a toujours eu une masse. Et il y a toujours eu un moment où il fallait choisir. D'accord, intelligemment. Mais c'est vrai que quand on voit une jeunesse qui... Moi, je pense que si les gens n'ont pas les outils du marxisme pour penser la société, ils pensent vraiment avec une brouette, quoi. C'est vraiment important. Même si on n'est pas d'accord avec leurs conclusions, même si ils étaient pour l'industrialisation à outrance, ils avaient plein d'erreurs. Mais la critique est très puissante. Et c'est très puissant. Et on n'a pas plus puissant depuis.
Il faut lire Einstein, il faut lire tous les grands fondateurs de la physique nucléaire, parce que ça nous remet à notre place dans le cosmos. Mmh, mmh, mmh. C'est ardu comme lecture, mmh. Mais il faut absolument s'y mettre. Mmh. Et ça, si vous voulez, c'est vrai qu'on est noyé sous une espèce de romancier qu'on oubliera, quoi. C'est-à-dire, vous ouvrez le Larousse, hein, aux pages je sais pas quoi, là, et vous voyez tous les prix Goncourt. Mais c'est pas possible, mais il y a... C'est quoi ça? Et moi, ça me fait penser au livre de littérature de ma mère où il y avait les grands poètes de l'époque, de son époque, quoi. Et puis il y avait un petit codicille en bas de page, attardés et égarés. Et c'était Rimbaud et Verlaine, hein, qui étaient quand même des gens pas recommandables moralement. Hein. Donc, vraiment, la relativité de ce qui est important, il faut vraiment, vraiment en être conscient. Non, c'était dans son livre de classe. Dans le livre de classe, ils apprenaient les grands auteurs de leur époque. Et il y avait un codicille en fin de chapitre, vous savez, comme dans les Lagardes et Michard du XXe siècle. Et en fin de truc, il y avait attardés et égarés, Rimbaud, Verlaine. Parce que vraiment, ils n'étaient pas sortables. Quoi. Mais il y en a plein des histoires comme ça maintenant. Parce que si vous prenez. Si Robert a été blessé très longtemps maintenant, déjà. Oui, il y a aussi en peinture, c'est pareil. Ça a été la révolution impressionniste extraordinaire, mais du coup, on a oublié. Beaucoup de très très grands qui étaient à côté, qui étaient soi-disant des peintres pompiers, un type comme Jérôme Léon Jérôme, mais c'est complètement génial. Vous connaissez la peinture de Jérôme Léon Jérôme? Non. Mais c'est un mec qui a inventé le cinéma avant le cinéma. Oui. Il faut regarder cette peinture qui est complètement académique, mais qui est extraordinaire. Oui. Donc. Voilà, oui, c'est... mais c'est d'où l'importance des profs, des prescripteurs, de la critique. C'est vrai. Je pense que les passeurs sont là pour ça aussi. Mmh. Mais les passeurs sont là, mais on ne les écoute que quand l'époque est mûre. Oui, tout à fait. Oui, non, mais on en revient à... Quand c'est mûr pour être entendu, ça devient... Oui. On l'entend. Oui. Oui. Alors, le titre du livre, il est assez simple. C'est hashtag Colline Serrault. Voilà, hashtag, voilà. Alors, elle a expliqué au début, rapidement, mais voilà. Mais le livre, les chapitres sont des hashtags, en fait, sont des portes d'entrée, comme ça. Le hashtag, c'est que c'est dièse aussi. Oui, dièse, oui, voilà. Oui, c'est très branché. Très branché musique. Sur les réseaux sociaux, quoi. Pas sur les réseaux sociaux, mais sur l'informatique. Mais c'est, alors, c'est pas scientifique, ça. Enfin, l'informatique. Ouais. Ah oui. Non, elle me demandait si j'étais branchée sur l'informatique. Je dis que je ne suis pas du tout scientifique. Elle me dit que ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est scientifique, l'informatique. Une pure littéraire. Donc, pour moi, c'est un peu de l'hébreu. Tous les hébreux, c'est littéraire. Hein. Oui, tout à fait. Mais hashtag, l'hébreu, c'est l'origine. Uniquement à Twitter, pour moi, ça me fait pas penser à Diez, quoi. Je pense tout de suite à Twitter. Et, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous étiez très branché sur les réseaux sociaux. Non, sur les réseaux sociaux, j'y suis pas. Non. Ah. J'ai horreur des réseaux sociaux. Mais j'adore l'informatique. Oui. Je suis technicienne de cinéma aussi. Ah. C'est mon métier. Oui, cinéaste, oui. Cinéaste, il est technicien aussi. Sinon, il ne sait pas comment cadrer, comment faire la lumière. Il faut être quand même... C'est-à-dire, à la fois, vous écrivez vos histoires et en même temps... Je suis metteur en scène de cinéma, oui. Ouais, les deux en même temps, d'accord. Ah, je ne vois pas comment on peut faire un film sans être technicien. Ah bon, ouais. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui délèguent après aux techniciens. C'est pas des cinéastes, non. C'est pas des cinéastes, non. Un mec comme Truffaut, il était aussi... Truffaut était un bon technicien, oui. Oui. Il connaissait bien les caméras. Il avait été assistant. Il connaissait bien
la mécanique du tournage, qui est une, et puis aussi la technique, hein, les pellicules, la lumière, ce que c'est qu'une optique, comment on l'utilise, qu'est-ce que c'est qu'un cadre, comment on raconte une histoire comment c'est le montage. C'est tout ça, c'est des techniques, beaucoup de techniques. Qu'est-ce que c'est qu'un costume? Comment est-ce qu'on peut le transformer? Là, l'histoire du tissu. Qu'est-ce que c'est qu'un accessoire? Comment on choisit? Qu'il faut connaître bien tous les styles, toutes les époques. Il y a beaucoup de choses à savoir. C'est quelque chose que vous avez appris sur le tas. Je ne veux pas me substituer, mais est-ce que vous avez appris sur le tas ou est-ce que c'est vous avez fait une école? Mais vous l'avez appris au fur et à mesure. Une école ne vous apprend pas à faire du cinéma. Ça vous apprend des choses, surtout pas à la faculté. La faculté vous apprend à être des historiens ou des critiques. Mais le métier lui-même, il s'apprend vraiment en tournant. Mais il faut aussi à se passionner. Moi, je me suis passionné pour l'optique, pour les objectifs, pour la photo d'une manière générale, la peinture. Donc c'est une culture générale qu'on se fabrique. Voilà. S'il y a des questions ou des réactions par rapport à ce qu'on vient de dire. On n'a pas lu le livre pour poser des questions. Moi, je l'ai lu. Qui ne l'a pas lu? Alors, voilà. Bon. Voilà. Sur des sujets différents, voilà. Ouais. Ouais, qui Alors, c'est pas un abécédaire, mais c'est un hashtag cédaire. Mais je reprends le fil. Ouais. Non, mais c'était par rapport à même aux propos qui vont de la connaissance et Dans le livre, il y a des entrées, il y a une entrée importante aussi sur la psychanalyse, sur Freud, et sur... c'est un chapitre, moi, qui m'a assez interpellé, bon, sans rentrer dans le débat un peu houleux à la Onfray, une sorte de démontage en règle, parce que ce qui est quand même très appréciable, c'est qu'il y a... Il y a des éléments évidemment à charge, mais vous faites toujours la paix quelque part. Il y a quelque chose comme ça, c'est pas un règlement de compte. Et je trouve que c'est assez... Je pense qu'on ferait avait un problème, disons presque filial. Lui a adoré ça, Adma. Est un fils de la psychanalyse. Oui, c'est pour ça que... Il a déboulonné son père, bon, c'est... Chacun son problème, hein. Et puis c'est un type bien, hein, on ferait. Mais oui, bon voilà, il y a plein de choses qu'il dit qui sont vraies, mais ça me fait penser un petit peu aussi à l'histoire du théâtre, par exemple. Si vous prenez Tchekhov venait d'une culture théâtrale extrêmement boulevardière. Les comédiens étaient formés à envoyer des punchlines, ils étaient vraiment... Le théâtre russe de son époque était extrêmement calqué sur le boulevard français, sur le vaudeville, etc. Lui, il a, par son théâtre et par son désir, et comme il a parlé à ses comédiens, et ce qu'il a demandé à ses comédiens, c'était aussi avec l'avènement de la psychanalyse, donc d'aller vers plus de profondeur, d'introspection et de complexité dans les personnages. Bon, avec Stanislavski qui a établi les trois pôles sur lesquels doit travailler un acteur, le personnage, l'acteur et la personne privée. Voilà, bon. Et c'est cette circulation entre les trois entités, ça c'est... Et alors, donc ça a été une révolution à l'époque de Tchekhov. Mais la révolution de Tchekhov, il la faisait avec des gens qui étaient super formés, ouais, au boulevard. Donc je veux dire qu'ils amenaient cette profondeur plus... Oui. Plus l'humour, la rapidité, oui. et alors après, une fois que ça c'était parti, il est resté, oui, un truc juste relou, quoi, avec des gens qui n'avaient plus la technique,
Lui, il a rajouté cette profondeur sur une grande technique de théâtre. Et là-dessus est arrivé Grotowski, Brecht et d'autres. Et Brecht supportait plus quoi, le côté introspection. Voilà. Et vous, il a inventé ce qu'on a appelé la distanciation, qui était une manière de dépasser cette confiture d'état d'âme lentissime, ce qui n'était pas à l'époque de Tchekhov, parce qu'ils étaient formés à aller très vite. Donc, et ensuite, nous les Français, la distanciation, donc on a produit un théâtre, mais d'un ennui, mais mortel, parce que tout était distancié. Alors que lui, il avait construit la distanciation sur des gens qui étaient tous dans la profondeur psychologique, justement. Donc, je disais ça parce que... on est parti de Freud. Oui, de Freud et d'Onfray. Je veux dire que Onfray, il est pétri de la connaissance de l'inconscient, et il cherche ça aussi. Et puis, mais il le critique, etc. Mais moi, c'était moi mon intérêt dans l'analyse de Moïse et le monothéisme, qui est quand même un très très grand bouquin, c'était... Il faut garder, c'est comme Marx, c'est comme il faut garder, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire que Freud a complètement, ça a été une énorme blessure narcissique pour l'humanité. C'est un grand moment de l'humanité de comprendre qu'on dirige rien, qu'on est mené par des forces qu'on domine pas et que c'est très beau. Et donc il faut garder ses outils. Et il a des outils aussi d'analyse qui sont extraordinaires. Après Freud était un fruit de son époque, donc il avait une manière de, il était à fond dans le patriarcat, bien qu'il avait en fait les outils pour le faire péter, mais c'est là qu'il s'est arrêté. C'est là que vous introduisez la question du viol, du rapport. Son analyse de il a des informations qui sont complètement planquées par Odinesco et toute l'école de psychanalyse officielle. C'est l'Église, c'est le catéchisme. Mais en fait, on sait maintenant, et les lettres de Fliss qui ont été cachées, qui ont été planquées, on sait d'où vient la souffrance terrible de l'hystérie, quoi. Elle vient en général de et c'est ce que Freud a trouvé, et qui était dans sa propre famille. Et Fliss, donc c'est son meilleur copain. Enfin, je veux pas, parce que tout est bien dit dans le bouquin, je vais pas recommencer tout. Mais ce qui est intéressant, c'était de replacer les moments, les choses que Freud n'a pas pu dépasser. Parce que son époque, c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Oui, il était le fruit de son époque. Son époque était comme ça. De la Vienne, et maintenant, on peut lire autrement ça. Et on voit toute la grandeur, la limite, et la dépasser. C'est ça qui est intéressant. C'est pas la peine de faire le procès de Freud. On s'en fout du procès de Freud. Il faut utiliser les outils qu'il a pour aller plus loin. Et c'est pareil avec l'histoire de Polanski. Je m'en fous, moi, de Polanski. Bon, c'est un violeur multirécidiviste, on le sait. Bon, je veux dire, bon, mais c'est pas très grave, on va pas l'accuser lui. Il est dans un système patriarcal. Dans un système patriarcal, il a le droit de faire ça. Le système lui permet quelque part. Mais maintenant, de plus en plus, ça devient intolérable. C'est pas lui qui a changé, c'est nous qui avons changé. Et c'est pour ça. Le système lui permet, mais la loi le condamne quand même. La loi est là. Il y a une loi qui est là. La loi, elle n'est plus là parce que de toute façon, il s'est barré. Oui, tout à fait. Donc il ne sera jamais condamné. Mais au fond, ce qui est important dans cette histoire, c'est de comprendre comment la société a changé, comment le patriarcat se fissure de tous les côtés, comment certaines choses, on ne les supporte plus, et comment on les dit même simplement. Et parce qu'on ne les disait pas avant. Toute cette violence sexuelle qu'on subit, nous, toujours, et qu'on disait, que nous-mêmes, on ne la disait pas. Et cette violence de comportement, en permanence. C'est comme le bouquin « Dans la peau d'un noir », vous l'avez lu, de Griffiths. Oui. Si vous le dites, il prend une pilule, il devient noir. Oui. C'est un journaliste blanc, il devient noir pendant un mois. Et là, il écrit un bouquin qui est phénoménal, quoi. Parce qu'il faut être dans cette peau-là pour comprendre ce qui se passe. Il faut être dans la peau d'une meuf pour savoir comment, depuis l'enfance, on te regarde comme ça, quoi. Et c'est pas, les mecs sont pas coupables, personne n'est coupable. On est dans, voilà, c'est un biotope. Bon, il est en train de changer, quoi. Voilà. On a fait. Si, il y a. Non, mais il faut acheter le livre, tout simplement. Et puis voilà.
pas tant de mains, on va pas faire toute une demi-heure sur la psychanalyse, mais pas tant avec Dolto non plus. Je cite un truc qui a été un scandale absolu à l'époque que tout le monde a passé sous silence. On a glorifié cette espèce de meuf. Moi, avant même de savoir, d'avoir lu ce truc-là, avant même d'avoir ce truc-là, j'ai lu un bouquin de François Dolto et j'ai dit ça, je l'ai jeté directement à la poubelle. Il n'y aura pas un bouquin de Dolto dans ma bibliothèque. Non, mais d'avoir ça. D'accord. Non, mais il y a des années. Oui, il y a des années. D'accord. Ok. Oui. Ouais. J'ai vu tout de suite le truc. Mais alors là, je l'ai vu, mais comme un scan. J'ai vu cette meuf, elle a eu un problème avec sa mère. Je ne savais pas. Elle a eu un problème avec sa mère. Elle hait les femmes. Et elle va tout le temps nous dire que c'est le père qui est génial. Parce que c'est une collabo patriarcale. Et elle a vraiment... C'est une saloperie, quoi. Mais j'ai tout de suite senti ça, quoi. J'ai jeté le bouquin à la poubelle. Et j'ai interdit qu'il y ait un bouquin de Dolto chez moi. Ça, c'était interdit. On a tous chez nous bien sûr, on a tous des bouquins imbéciles qui disent que des conneries, quoi. Et maintenant, là, sort un jour le scandale de ce qui est écrit dans ce bouquin. Et là, on voit clair sur ce que c'était que Dolto. Parce que tout d'un coup, elle était tellement glorifiée qu'elle n'avait même plus la décence de cacher ce qu'elle pensait vraiment, quoi. Parce que c'était son problème perso, quoi. Oui, après, est-ce qu'on peut... Lisez le livre. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut... À l'époque, même si l'intellectuel n'est pas parfaite, et la clinicienne n'est pas parfaite à tous les niveaux, mais il y a eu quand même une ouverture sur l'écoute de l'enfant, toutes ces choses. Non. À l'époque, moi, j'étais pas né. L'écoute de l'enfant parce que sa mère était une salope. Oui, c'est pareil que. D'accord, mais il y a eu une vulgarisation, il y a eu une popularisation quand même. C'est pareil que Bettelheim, qui disait tout le temps les autistes sont autistes parce que leur mère, c'est une salope. Mais ça va, quoi. On a découvert ensuite que l'autisme, c'était des trucs purement génétiques. Oui, d'accord. Mais c'est en même temps intéressant, Bettelheim. Bon, non, mais par rapport à l'espèce de matraquage sur les mères, il y en a marre, quoi. Il y en a marre, quoi. Non, mais le dossier, je pense que vous maîtrisez mieux que moi. Mais je me dis toujours que à ce moment-là de l'histoire, il y a eu des choses qui ont été popularisées, peut-être par les mauvaises personnes, mais qui ont été popularisées quand même et qui. Oui, mais vous avez raison. Qui n'ont été pas négatives dans. Voilà. Bien sûr, puisque le public s'en est apparé et que ça lui a fait du bien à certains moments, c'était que c'était important. Je pense. Après. Oui. Après, on a compris que c'était. que beaucoup de choses étaient biaisées là-dedans. Et puis voilà, ça avance comme ça, ça avance. Est-ce que je pensais au. Enfin, moi, j'avais eu le nez quand même de loin. Hein. Mais je ne connaissais rien de tout ça. Hein. Mais comme sur beaucoup de choses, oui, en effet. Le sentiment, je le sens les trucs. Est-ce que vous avez vu le documentaire de Yolande Zoberman, M? Ça vous dit quelque chose ou pas? Je ne l'ai pas vu. Mais vous en avez entendu parler? De ce jeune homme qui vivait dans les quartiers ultra-orthodoxes où le viol était de Tel Aviv, où le viol était la règle. Je l'ai vu il y a longtemps. Oui. Non, pas il y a longtemps. Non, parce que c'est sorti l'an dernier. Mais parce que j'avais vu ce film formidable. Bien sûr, il existe sur les en DVD, filles, bien sûr. Oui. Dans un milieu intégriste juif. Là, alors, on ne l'a pas là en ce moment, mais on le vend en général. Oui. Et il faut le voir parce que c'est quelqu'un qui justement est pas du tout dans la qui revient sur ces lieux-là où il a été maltraité et il va à la confrontation avec son ancien agresseur mais genre 10-15 années plus tard avec ses parents également. Et c'est un film très positif, pas du tout larmoyant, pas du tout culpabilisant, mais au contraire il se rend compte que c'est une pratique évidemment générale dans les familles, où le désir prend une forme totalement malade, quoi, parce que la religion est là, tout cadenassé. Mais le film est très solaire, quoi. C'est pas du tout quelque chose et très positif. Et c'est un film qui circule et qu'il faut voir vraiment, quoi. C'est comme Festen, ça a été très important, Festen, hein, pour mettre à jour ces choses. Dynamitage en règle. C'est la chose la plus évidente qu'on m'ait racontée, mais depuis très longtemps. Je suis d'une famille qui est catholique, voilà. Mais où j'ai toujours entendu ces histoires, et puis c'est vrai qu'on essaie de coller la Trinité, on essaie de faire coller la chose, de faire tenir, mais, et voilà, pour que c'est.
Et c'est vrai que vous faites une proposition qui est... qu'est-ce qu'il y avait écrit là-dessus ou qu'est-ce que... Non, personne n'a dit ça, c'est du point, ça. Ah oui. Ah d'accord. Ah oui, d'accord, parce que je me suis dit, mais où est-ce qu'elle est... Je suis petite fille de pasteur, donc d'une famille très, alors, très chrétienne, justement. D'accord, d'accord. Très chrétienne et en même temps antipapiste, attention, hein. Et puis en même temps, qui ont supprimé le culte de la Vierge, ce qui est quand même une bêtise. Pour moi, ça a été tout d'un coup... c'est toutes les recherches, le féminisme, Freud... Père. En deux mots, voilà. C'est tout le monde suive. Le Christ, c'est le fils du Père. Vous connaissez un mec qui n'est pas le fils de son père, vous? Je ne sais pas, moi. C'est le fils du... Pourquoi du Père? Il manque une phrase. Il y a une phrase qui a été refoulée. Et on a mis donc le Père, le Fils, puis le bout de la phrase, on l'a remplacé par le Saint-Esprit. Voilà. Ça fait penser au « La vie est un long fleuve tranquille ». Mais non, madame, je vous jure, je n'ai pas couché. Mais c'est comme la Vierge. Écoutez, vous n'êtes peut-être pas enceinte. Mais si, madame, je vous jure. Elle est drôle, cette scène, elle est formidable. Donc à un moment, c'est le fils du père, il manque une phrase. Bien, c'est un fils, quoi, mais de son père et de sa mère, quoi. Mais pourquoi le fils du père? Il manque la phrase qui manque et qui est le fondement du patriarcat, c'est le viol, l'appartenance et la propriété du corps de ton enfant et de ta femme, de la propriété, le père, t'as la propriété de ton corps, c'est le fils du père de sa mère, quoi. C'est le fils du père de sa mère, c'est-à-dire c'est le fils du père de Marie, quoi. Voilà. Donc, cet enfant est un enfant de l'inceste. Non, je vous le dis, moi. Non, mais personne, on ne sait pas. Personne ne sait ça. Je l'ai senti, je l'ai compris et je l'ai écrit. Mais c'est révolutionnaire parce que c'est vraiment... ça justifie le viol, ça justifie l'inceste, ça justifie le patriarcat. C'est le fondement du patriarcat. Et le monothéisme est le fondement du patriarcat. C'est-à-dire... On a le droit de pas être d'accord. Hein. Ah non. On a tous les droits. Mais il y a un moment, cette réalité, elle ne fera que s'imposer. Non, c'est intéressant comme retourneur. Mais ce n'est pas contre les catholiques. Les catholiques. Et moi aussi, il faudra étudier un jour pourquoi le patriarcat a eu ce succès. Il y en avait besoin, peut-être. Quelque chose de structurant. Oui. Pour qui, après, oui. Enfin, ça nous a pas emmené quelque part de tellement sympa non plus en même temps. Il y a un moment... Il y a un moment, on est un peu dans un espèce d'effondrement, quand même. Aujourd'hui, c'est... Oui. Mais, donc, après... Moi, en disant ça, je critique pas les... Ça m'est complètement égal. Il y a la critique sociale de ce que c'est que les grandes organisations religieuses qui sont des organes de pouvoir, quoi. Et d'abus, et tout ça. Bon, on les connaît, ils prennent la forme religieuse ou ils prennent la forme, toutes sortes de formes, hein. Ça peut être la féodalité, ça peut être la royauté, ça peut être l'islam en Iran, il y a toutes sortes de formes de grandes sociétés facho et dominatrices. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est l'histoire, je dis toujours, on croit qu'on est dans un environnement, par exemple, Word. On n'est pas dans un environnement Word. Quand on est dans un logiciel Word, qui lui-même est dans Windows. On croit qu'on est dans Windows, on n'est pas dans Windows. On est dans un environnement DOS, qui est un langage et qui domine l'informatique. Et c'est ça qui est derrière l'informatique. C'est un, c'est des 1 et des 0. Et le patriarcat, c'est pareil. On croit qu'on est dans une société démocratique. On croit qu'on est dans une société, ou bien capitaliste, financière. Non, on est dans une société à la base patriarcale qui induit tout le reste. Et c'est ça le vrai cadre. C'est celui-là qui infuse. Et en plus, il est prescripteur de lois, d'un nombre infini de lois très puissantes qui ne sont pas écrites. Et les lois qui ne sont pas écrites, elles sont beaucoup plus puissantes que les lois écrites. Bien pires. Et bien plus destructrices. C'est-à-dire qu'il y a des injonctions. Les injonctions patriarcales sont très puissantes. Elles sont rentrées dans notre ADN. Se dire que le spirituel doit être organisé, ou l'histoire nous le montre,
qu'il y ait un vide spirituel, on voit ben, les conséquences aussi, parfois dramatiques, que ça peut déclencher. Pas de patriarcat, mais alors quelle serait une belle alternative, quelle proposition plus douce, plus à l'écoute, de quel modèle il faudrait s'inspirer Vous êtes en train de le définir. Et de quel modèle il faut s'inspirer? Peut-être d'aucun. La nouvelle société, elle est en train d'advenir. Elle n'est pas encore pensée. Elle n'est pas encore organisée. Elle s'expérimente énormément hein, chez beaucoup, beaucoup d'acteurs à la campagne. Les penseurs, ce type Jablonc là, c'est très, très, très beau son bouquin. C'est vachement bien. Des hommes justes qui, pour repenser une nouvelle masculinité en accord avec soi-même, enfin. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se pensent en ce moment. Je pense que c'est pas mûr. Malheureusement, il n'y a pas une proposition suffisamment forte encore et organisée, à mon avis, pour que le pouvoir bascule vraiment dans quelque chose qui pourrait être constructif pour l'instant. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une période pré-révolutionnaire ou en tout cas pré-grand bouleversement. Mais c'est un peu comme la commune, quoi. C'est pas prêt, quoi. Mais on est en train de les expérimenter aussi concrètement, les nouvelles formes d'organisation. Il y a plein d'expériences sur la démocratie dans les villages, la démocratie alimentaire. Ça passe beaucoup par la terre, quand même. La vraie révolution qui est en train de se faire. Mais il va falloir penser aussi toute l'économie, tous les rapports économiques. Qu'est-ce que c'est que la dette? Qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Comment est-ce qu'on va se mettre en rupture? Et ça va forcément passer par des moments très difficiles pour la société. Voilà. Et est-ce qu'il y a suffisamment de puissance qui puisse se mettre ensemble pour faire une espèce de début d'international, d'alternative? Toutes ces questions qui sont pas du tout... Moi, je sais pas... Personnellement, je réfléchis à tout ça, mais je n'ai pas de réponse et je pense que je ne vois pas pour l'instant de force politique qui représente ça. Mais il y en a peut-être, et puis ça peut venir très vite. Hein. Les gens peuvent se politiser en un mois. Hein. La question, c'est un peu comme l'histoire du mur de Berlin ou l'Empire anglais. Il le dit dans le film La solution locale, c'est très beau, l'Indien dit le soleil ne se couchait pas sur l'Empire britannique, il n'y a pas longtemps. Hein. C'est pas la préhistoire. Hein. Et à un moment, les choses tombent. Elles peuvent tomber, encore une fois, elles peuvent tomber d'elles-mêmes, d'une manière très organique, comme le mur de Berlin est tombé pratiquement sans mort, ou elles peuvent tomber violemment, on ne sait pas. Mais moi, je ne suis pas Madame Soleil, hein, mais voilà, on réfléchit, quoi, c'est tout. Mais là, pour revenir sur la question du patriarcat, est-ce que... Ça se fissure, oui, ça se fissure, mais est-ce que... Ce que vous appelez les mini-résistances ou les mini... Est-ce qu'à l'échelle d'une cellule, de la famille, d'un couple, est-ce que tout ça peut pas basculer? Ou est-ce qu'il faut forcément un mouvement général? Ou des prises de conscience individuelles? Oui, alors, c'est toujours la dialectique entre je me change moi-même ou je change le monde. Oui, mais elle a sa pertinence. Il faut les deux. Bah, oui. Mais c'est-à-dire que ceux qui disent « change-toi, t'amènes d'abord », enfin ça c'est tout le mouvement apolitique américain. Changeons nous-mêmes individuellement et on changera. Ou bien le colibri. Moi, je mets mon petit godet, la forêt brûle, je m'en tape, c'est n'importe quoi. Vous l'avez filmé Pierre Rabhi quand même. Oui, mais j'aime beaucoup Pierre Rabhi, mais il y a un moment. Son colibri, vous y croyez pas? Enfin, écoutez, c'est ridicule, c'est complètement ridicule, cette allégorie est stupide, enfin quoi. Écoutez. Le gars, il s'en fout, quoi, il met son godet, quoi, mais je veux dire, c'est un colibri, ça va être. Et la forêt brûle, on le voit bien en Australie. C'est des millions d'hectares. L'air est jaune dans toutes les grandes villes d'Australie. C'est un incendie, quoi. Et on est en train de vivre ça. Donc, l'espoir, c'est que l'Empire ne se couchait pas sur l'Empire britannique. Le soleil ne se couchait pas. Et puis, il s'est effondré. Et donc, cette société, elle peut s'effondrer aussi. Et d'une bonne manière. Mais parce que les choses peuvent changer plus vite qu'on ne croit. Et il y a une résilience dans la Terre. On le sait,
c'est beau quand il parle de ça, Bourguignon, quand il dit une terre, comme par exemple la Beauce et l'Abri, qui sont des déserts absolus, mais il y a des plantes qui vont revenir, qui sont des plantes réparatrices, qui vont bouffer les toxines, qui vont préparer le terrain pour d'autres plantes. Ça met 15, 20, 30 ans. Hein, pour réparer une terre comme ça. Monsanto, ça va mettre un peu plus de temps. Hein. Ah ben oui, mais ça, la réparation de cette société, on ne la verra pas, nous. Hein. Oui, voilà. Il ne faut pas espérer ça. Oui. Ben déjà, amender une terre qui a vécu depuis 50 ans de pesticides, 70 ans, c'est entre 15 et 30 ans, et encore quand tout va bien. Oui. Beau film de Dominique Marchais aussi, Le Temps des Grâces, que vous aviez vu, oui. Qui fait penser à votre film, mais qui replace la révolution agricole dans son contexte historique de l'histoire de l'humanité. Quoi. En un demi-siècle, on a plus progressé qu'en 5000 ans, 10 000 ans d'humanité. C'est fou. Quoi. On se rend pas compte, à l'échelle de notre génération, les transformations, les changements, les révolutions incroyables quoi, du monde, de la société, du rapport à l'environnement. C'est de la violence que ça a créé. Mais il faut penser tout ça. Je crois qu'il y a un très beau film, je ne l'ai pas vu encore, mais je vais faire un débat avec elle. Le nouveau film de Marie-Monique Robin qui s'appelle Nouvelle Cordée. D'accord. Je crois que c'est un truc vraiment important. C'est des chômeurs et des retraités qui se sont mis ensemble. Ils ont mis leur salaire et leur petite retraite ensemble. Ils ont fondé une entreprise. Et dans cette entreprise, tous les salariés de l'entreprise qui retouchent leur... C'est eux qui décident ce qu'ils vont faire. Chaque salarié décide de ce qu'il va faire. Donc il fait ce qu'il passionne, et il le fait bien, et il le fait... Ouais. Et puis ça finit par bien marcher, quoi. Je n'ai pas vu le film, mais il paraît que c'est génial. Ouais, mais il faut inventer, il faut être du côté de l'invention. Une question sur le cinéma et vos envies de cinéma, parce que ça fait un moment que vous n'avez pas fait de film de cinéma. Le cinéma est en crise aujourd'hui, quand même pas mal. Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Est-ce que vous avez encore des envies de fiction? Parce que moi, je me rappelle, vous avez fait des films très poétiques, hein, que j'avais beaucoup aimé. Trois hommes et un couffin, que j'ai revu dernièrement, Saint-Jacques Lamecq. Enfin voilà, c'est quand même des choses qui n'apporte pas de solution forcément, mais qui repoétise un peu le monde, et je crois que c'est important aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez laissé tomber le côté faire des films, parce que je sais que c'est très difficile aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, voilà. Ouais. Alors, d'abord, vous dites des films de cinéma, j'ai fait deux films à la télévision, et qui sont importants pour moi, et que j'ai pas du tout négligé, et j'ai voulu le faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que je voulais voir comment c'était de tourner très vite. Avec des techniciens qui sont excellents, qui sont vraiment... On a exactement les mêmes équipes en nombre et en technique, quoi, que les équipes de cinéma. On tourne beaucoup plus vite. Et je voulais voir un peu ce que ça faisait. Comme de toute façon, moi, je suis toujours hyper préparé, avec des storyboards en béton et tout ça, donc, et des découpages. Ça ne me dérangeait pas d'aller vite, au contraire. Et je me suis rendu compte que... c'était très agréable de tourner comme ça. Je n'ai pas du tout souffert. Les délais de montage non plus, puisque comme mon film était un puzzle hyper, hyper précis, et que j'ai eu quand même le temps de faire au minimum entre 7 et 10 prises par prise, donc, ce qui est à peu près un ratio de cinéma. Donc j'ai pas souffert, ça m'a intéressé de voir ça. Et le film, c'est 5, 6, 7 millions qui l'ont vu. C'est un film sur l'écologie, sur le racisme. Ça s'appelait Couleur locale, avec Isabelle Nanty. Et sur comment on pourrait mettre les cantines en bio en utilisant des terrains locaux, etc. C'était hyper, l'air de rien, politique. Hein. Après, j'ai fait aussi, dans le même ordre d'idée, j'ai fait... Et pour moi, c'est des films. Parce qu'il y a une espèce de racisme anti-télé chez pas mal de critiques de cinéma ou comme ça. Et ils ont tort, parce que le cinéma évolue. Et j'ai fait un film sur l'entrée sur Brossolette, quand il est rentré au Panthéon, et ça a été aussi une très très belle expérience sur le plan visuel même. Parce qu'on a pu tourner dans des décors et des costumes de l'époque à Bordeaux, et on a fait vraiment un très très beau boulot. Donc moi je me considère pas... Et puis j'ai fait aussi un film qui se considère comme de cinéma, qui s'appelle Tout est permis, alors que c'est un film que j'ai tourné moi-même avec ma caméra, et j'ai fait le son et la caméra seule. Et avec une écriture qui était exprès, extrêmement comme ça, pas du tout comme... Donc, et comme il est sorti en salle, on le considère comme un film. Mais c'est un reportage. Moi, j'ai plus envie des étiquettes. Voilà. Moi, maintenant, au cinéma, c'est fermé pour les films d'auteur.
C'est complètement fermé. Vous avez plus de... Il n'y a pas de distributeur. Ils ont la trouille, il y a trop de salles. Il faut qu'il y ait une rotation. C'est la première semaine qui compte. Il y a tout un truc. Faire un film de cinéma, c'est 3 ans d'une vie. Déjà, la télé, c'est 2 ans d'une vie. Parce que le tournage, c'est une chose, mais tout ce que vous faites avant... Donc vous tournez, vous donnez 3 ans de votre vie pour un truc où la première semaine, on vous dit c'est mort. Mais quand on ne vous le dit pas à 9h10, comme on me l'a dit pour la belle-mère. Donc je veux dire, il y a un moment, ok, mais je ne vais pas toujours toute ma vie attendre 20 ans, quoi, pour que. Non. Et puis il y a un nouveau phénomène, c'est que maintenant, pour moi, les choses vraiment importantes qui se disent et qui sont politiques, elles se disent dans les séries. Qui sont. Même une série. Bah, je regarde tout, moi. Je suis vraiment une chronophage, une sériephage qui est chronophage. Parce que si vous regardez Peaky Blinders, Downton Abbey, là, The Crown, c'est hallucinant l'image de Crown. C'est pourtant une série un peu à l'eau de rose sur la reine d'Angleterre. Mais c'est une analyse de la société. Et c'est des images, mais il n'y a plus personne au cinéma qui fait ça. Donc, Peaky Blinders, vous l'avez vu ? C'est extraordinaire l'image. Il y a plein de... Même House of Cards, les parties prises d'image, les cadres. Enfin, il y a des écritures formidables dans les séries maintenant. Ils ont les budgets. Ils ont et il y a beaucoup plus d'audace politique. Il y en a de moins en moins. Hein. Mais enfin, quand même. Oui. Il y a encore des trucs où on peut dire des trucs, quoi. Et c'est pour ça que... Je suis pas moi. Là, je prépare. J'ai écrit ce film qui s'appelle Tempête. J'ai essayé de le tourner. Normalement, je devrais pouvoir le financer, mais j'ai pas la même rage qu'avant, parce que je sais ce qui va se passer, quoi. Vous seriez prête à bosser avec Netflix, du coup, pour un truc comme ça ? J'ai très envie de bosser avec Netflix, ouais, par contre. Oui. J'ai écrit une série sur Consuelo, le bouquin de George Sand. Un très très beau livre, vous connaissez Consuelo ? Non ? C'est un très très beau livre de George Sand. Et là... Ça, j'aimerais beaucoup le tourner, mais il faut aussi que Netflix passe entre le copyright et le droit d'auteur. Complexe. Vous n'auriez pas l'impression de signer avec le grand Satan, donc absolument pas. Absolument pas. Ah, même par rapport à la redistribution, au circuit de financement. Vous savez, Michel-Ange n'a fait que de travailler pour les papes. Hein. D'accord. C'est une horreur. Okay. Ouais, d'accord. Donc, il n'y a pas un chèque sur Michel-Ange, mais il y en a un sur Rembrandt. Donc, oui. Voilà, on parle. Je veux dire que de toute façon, nous, il faut qu'on zigzague dans une société. Oui, d'accord, non, mais au moins c'est honnête. Oui, d'accord, ok. On zigzague. Non, mais il n'y a pas de. C'est très bien. Évidemment, c'est facile quand on ne fait pas de film. Mais évidemment, non. Mais quand on fait des films et que sa vie en dépend, parce que si on ne fait pas de film, on meurt, quoi. Ouais. Parce que c'était ça, hein, pour moi. Ouais. Et ce n'est pas seulement mort économique, c'était. Il fallait, quoi. Ouais. Bah, Non, mais moi, c'est... Colin, je vous propose qu'on s'arrête là et puis que ça continue de manière plus informelle et puis que vous dédicaciez si... Ouais, alors, je ne parlais pas de vous en particulier, mais je parlais de tout le monde en général. Oui, je sais, mais on finit juste, on applaudit Colin. Voilà, merci.